Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza et aujourd'hui je vais vous présenter et jouer le troisième mouvement de la sonate numéro 31 opus 110 de Beethoven. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est très important, abonnez-vous et faites partager mon travail tout autour de vous. Ce mouvement est un adagio manon troppo, mais le plus important c'est que ce mouvement vient du deuxième, qui le deuxième venait du premier. Donc on a vraiment maintenant une sensation d'unité absolue dans tous les mouvements. Et ça commence par ce fa du début. Parce que ce fa, j'en ai beaucoup parlé dans le premier mouvement, dans le deuxième mouvement, donc allez regarder ces mouvements. Ce mouvement, qui fait deux pages, s'enchaîne sur la fugue directement. Je préfère faire une vidéo juste sur ce passage-là, et ensuite je ferai une vidéo sur la fugue. Il se passe tellement de choses. La première, c'est qu'on a ce rythme dès le début. Qui paraît très sérieux. On est en si bémol mineur. La sonate est en la bémol, donc on est sur le deuxième degré. C'est assez rare. Mais de ce si bémol mineur, on va passer... faire ça. Beethoven va faire un chromatisme. Pour aller là. En fait, vu comme c'est écrit, en Do bémol majeur. Très rare comme tonalité. Parce qu'on l'appelle Si majeur en général. Mais en fait, non, chromatisme encore, il va aller en La bémol mineur, enfin on pense, on ne sait pas avec Beethoven, on ne sait plus. Et en fait non plus, que des surprises, il va faire un récitatif. Gardant la pédale, comme on avait dans la tempête, donc on est bien en la bémol mineur pour l'instant, mais pas pour longtemps, voilà. Et ce petit passage qui avait un crescendo qui est un peu plus vite, c'est parce qu'en fait on n'était plus dans un adagio, on est juste dans un andante pour trois croches. Et puis, de cette tendance sur trois croches, on va aller sur un adagio. Donc, on voit que là, on a déjà eu sur 4 mesures et demie, 3 indications de tempo. Un adagio, le recitativo qui est plus adagio, et puis un andante. Et là, maintenant, on retourne à l'adagio. Et là, l'adagio va être extraordinaire parce qu'il va apporter quelque chose qu'on n'a jamais vu encore chez Beethoven de manière aussi poussée. L'adagio va avoir des notes qu'on dit en français filées. En deux en deux... Toutes les notes sont en deux en deux, et puis un ralenti, comme vous l'avez entendu, et puis cantabile, parce qu'il est rigolo, parce que c'est un récitativo. Un récitativo, normalement, c'est chanter. Donc vraiment, il insiste. On a ces notes ici, et puis le deux en deux encore qui intervient. Vous entendez toute cette résonance qui est là, hein. On n'a pas enlevé la pédale, il veut l'enlever seulement ici. Meno adagio, donc moins adagio, un petit peu plus vite. Crescendo. Ici. Et là, il demande tenuto à la main droite, non negato ici, et on a un adagio de nouveau. Donc c'est vraiment récitatif, c'est comme quelqu'un qui raconte une histoire. Et tout d'un coup, piano, avec toujours la pédale qui tient, la pédale tient. L'arioso dolente, ça veut dire un aria, on chante, dolente avec douleur. C'est un aria avec de la douleur. Et on est bien en la bémol mineur. Bon, je ne vais pas jouer tout le mouvement, puisque je vous le jouais juste derrière.
Mais ce qui est intéressant aussi dans ce Taglioso Dolente, c'est tous ces contretemps. On est toujours un peu avant le temps. Là, on est sur le temps pour une fois. Avant. Comme pour ne pas être avec la main gauche. Donc là, on a vraiment, vraiment ce que le rubato deviendra, ce que la musique romantique va offrir de plus. Il a déjà, là, vraiment écrit la musique romantique. C'est pas strictement sur les temps, et puis des fois, ça l'est. En do bémol majeur. Je vais vous laisser découvrir ce mouvement. On arrive à la mesure 21, puisqu'il y a un endroit qui est très intéressant avec la levée de 21. On a de nouveau presque 4 voix, ce qui va annoncer la fugue derrière. De mélodique et puis on a vraiment des parties, puis la partie intermédiaire qui est la partie d'alto. Là, on respire aussi, mais il demande que la pédale soit gardée. Et puis un point d'orgue sur la dernière note, qui va enchaîner, sans aucune raison d'interruption, sur la fugue. Voilà, écoutons maintenant ce magnifique mouvement de 4 minutes et demie sans interruption.
Je sais, c'est frustrant, on a envie d'entendre la fugue, je suis désolé, mais je vous promets, la semaine prochaine, je vous jouerai la fugue. N'oubliez pas de devenir membre pour participer au masterclass que je présente une fois par mois pendant 2 heures, le samedi à 2h30 de l'après-midi, heure de New York. Vous pouvez bien sûr me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, ou sur mon site web, laurentboukobza.net. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est très important. Abonnez-vous et faites partager mon travail tout autour de vous. Tous les liens sont dans le descriptif en dessous. À la semaine prochaine pour conclure cette magnifique sonate opus 110 de Beethoven. Merci beaucoup, au revoir.